Paix et joie du Christ bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénédiction sur toi, bénédiction sur ta famille, bénédiction sur toutes les personnes qui sont autour de toi, bénédiction dans ton quartier, dans ta maison, dans ta ville, bénédiction dans notre chère nation. Et toi qui m'écoutes également, quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit le pays où tu te trouves, que la bénédiction se répande en abondance sur vous, dans le nom de Jésus. Alléluia. Heureux l'homme que tu châties, Seigneur, celui que tu enseignes par ta loi, pour le garder en paix au jour de malheur, tandis que se creuse la fosse de l'impie. Car le Seigneur ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son domaine. Mon frère, ma sœur, des fois nous pouvons traverser des situations et nous pouvons dire dans notre malheur, au milieu de notre épreuve, que Dieu nous a abandonnés. Mais laisse-moi te dire ce matin que Dieu n'abandonne personne. Dieu ne peut pas abandonner car il est Dieu, il est amour, il est miséricordieux. Et lorsque nous n'avons plus de force dans l'épreuve, c'est alors là même que Dieu nous porte sur ses épaules. Dieu nous porte comme un bébé. Dieu nous porte pour que nous puissions passer cette épreuve. Et comme David pouvait le dire dans le psaume 23, « Même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je n'aurai aucune crainte, car tu es avec moi, Seigneur. » Alléluia! Alors le Seigneur ne t'a pas abandonné, le Seigneur ne t'a pas oublié mon frère, ma sœur. Toi maman qui es avec tes enfants, le Seigneur ne t'a pas délaissé. Toi qui n'as plus rien, toi qui cherches du travail ou qui as de véritables besoins, qui a faim, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Alors adore avec moi ce matin et demande pardon au Seigneur à chaque fois que tu t'es lamenté, à chaque fois que tu as dit également que Dieu t'a éprouvé. Car dans la première lecture de ce jour, le Seigneur nous dit qu'il n'éprouve personne, qu'il ne peut éprouver personne, mais que nous rentrons dans la tentation à cause de nos propres convoitises. Alors demande sincèrement pardon à Dieu en ce matin et adore avec moi. Alléluia. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Il t'a pas oublié, il t'a...
malgré tes faiblesses, il t'aime encore. Malgré que tu es tombé, il t'aime encore. Malgré que tu es, il t'aime encore. Il t'aime à cause de Jésus, il t'aime encore. Il t'aime par la grâce du sang de Jésus. Ma vie, Rabbi, je t'aime, Rabbi. Oh Seigneur, merci, merci pour ton amour qui nous fait vivre, pour ton amour qui nous a sauvés, pour ton amour qui nous fait avancer, pour ton amour qui nous fait vivre l'épreuve dans la paix, dans la quiétude, dans la sérénité. Ton amour, Seigneur, nous fait marcher sur ce chemin que tu as tracé pour nous. Ton amour nous délivre du mal. Ton amour nous fait regarder à notre avenir. Ton amour nous fait voir l'immensité de ta puissance et de ta gloire pour nous. Alléluia, béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alors mon frère, je te souhaite une merveilleuse journée dans la joie du Seigneur. Une merveilleuse journée dans la paix du Seigneur. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.